avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, les voleurs là. Maudit sombrage. Le bord de ciel allait parfaitement bien à votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui venez la rébellion. Et puisque vous êtes surprendre, Dieu vous en est-il? Aucune importance. Sauvegarde est au bout du chemin. C'est impossible. C'est impossible. Eh, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Dernière pensée d'un Nordique devrait aller vers son foyer. Rory, quoi? Je suis de Rory. Général Tullius, chef! Le bourreau attend! Bien! Dépêchons-nous d'en finir! Chauve, Ara, Tibel, Kinaret, Akatosh, Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, Général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmors sont avec lui. Satanuel. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Milod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. La mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore les satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Le Kyr de Rorikur. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer! Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Vous là, avancez! Qui êtes-vous?
Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Ulfric sombrage. Certains ici et Helgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais, l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien. Continuez. Oui, Général Tullius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Aperio. Pouvez-vous en dire autant? Chien d'Aperio! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant, le Nordique en haillons. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit, au suivant! Allez, au bio! Et dans le calme. Sur le toit et continuez. Allez, on vous suit dès qu'on le peut. Que les dieux vous guident, Nathan.
mur. Je dirais que nous sommes les seuls à en être sortis. C'était vraiment un dragon. Un héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir d'ici. Venez là. Laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Nous y voilà. Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver quelque chose pour ces brûlures. Il doit y avoir une ou deux épées dessus. Vous feriez mieux de mettre cette armure. C'est encore là. Venez, par ici. Venez, par ici. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer.
qu'on n'abandonne jamais. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on quitte Elgen, et vite! Ces impériaux y gardent les potions, nous allons en avoir besoin. Hé hey. C'est bon, c'est fait. Par ici. La salle de torture. Par les dieux, j'aimerais que nous n'en ayons pas besoin. Vous avez entendu? Allez! Un dragon est en train d'attaquer Elgen. Un dragon? Allons, ne racontez pas n'importe quoi. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai entendu des bruits étranges par là-bas. Venez avec nous. Il faut sortir d'ici. Vous n'avez aucune autorité sur moi, mon garçon. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai dit que le fort était attaqué! Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Ne vous embêtez pas. On a perdu les clés il y a des siècles. Le pauvre bougre a braillé pendant des semaines. Essayez d'ouvrir avec des crochets. On a besoin de tout ce qu'on peut trouver. Bien sûr, prenez tout ce que... Mieux vaut être ici que là-bas. Un dragon. Le premier depuis des millénaires.
censé aller? Où est la sortie? C'est un guerrier où il garde des potions. Descends bras! Viens d'impérialo! Pas revenir en arrière. Nous avons de la chance que ça ne nous soit pas tombé dessus. Nous devrions ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons devoir essayer par là. Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Je préfère l'éviter pour le moment. Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Et attention, mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Passez devant. Je couvre vos arrières.
crois que c'est la sortie. Je commence à douter sérieusement de nos chances. Attendez! Je crois qu'il est parti pour de bon. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Vous devriez vous rendre à Solitude et vous enrôler dans la Légion Impériale. Vous nous seriez vraiment très utile. Et si les rebelles ont un dragon, seul le général Tullius peut les arrêter. Voyez ces ruines, c'est le tertre des chutes tourmentées. Quand j'étais petit, j'en faisais des cauchemars. Des drogueurs qui descendent de la montagne en pleine nuit pour escalader ma fenêtre. Ce genre de choses. Je dois admettre que je n'ai pas vraiment changé d'avis à son sujet. Voici les pierres gardiennes. 3 des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de... Le ciel. Allez-y, voyez vous-même. Mage, hein? Chacun son truc. Je ne vais pas vous juger. J'espère que le dragon n'est pas encore quelque part au-dessus de nos têtes. Bien sûr! Je sais que vous n'avez pas vu la Légion sous son meilleur jour aujourd'hui. Mais laissez-nous une seconde chance. La Légion aurait bien besoin de quelqu'un comme vous. Surtout maintenant. Et si les rebelles ont un dragon, seul le général Tullius peut les arrêter. Pas encore. Tout de même, un dragon. Il n'existait plus que dans les contes et les légendes. Qui aurait pu s'attendre à ça? Mais il va essayer de faire toute la lumière là-dessus. C'est certain. Ça pourrait changer l'équilibre de la guerre. Si vous voulez nous aider à arrêter ce dragon, vous devriez aller à Solitude et vous enrôler dans la Légion.
Je l'espère. La Légion est le dernier espoir de bord du ciel. Venez, ne restons pas là. Écoutez, en ce qui me concerne, vous avez déjà mérité l'amnistie. Mais tant que cela n'aura pas été confirmé par le général Tullius, ne vous approchez pas des soldats impériaux et évitez de vous faire remarquer. D'accord ? Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Le général Tullius a installé son quartier général à Mornefort, dans la ville de Solitude, au nord-ouest d'ici. Vous devrez parler au légat Ricke. C'est elle qui se charge des nouvelles recrues. Si j'arrive jusqu'à Solitude, je leur dirai tout le bien que je pense de vous. Vous l'ignorez ? C'était Ulfric Sombrage et ses plus proches lieutenants. Ouais, le chef des Sombrages. Ils prétendent combattre pour la liberté de bord de ciel, mais en réalité, Ulfric veut prendre le trône de haut roi. Vous n'avez pas entendu parler de la guerre civile qui fait rage en bord de ciel ? J'imagine que les gens de Cyrodiil ont d'autres problèmes à régler. C'est très simple. Il y a plusieurs années, Ulfric a fondé les Sombrages, une sorte d'armée privée qui sert ses ambitions. Il a toujours utilisé l'interdiction du culte de Talos pour monter la population contre l'Empire. Ne parvenant pas à obtenir un soutien unanime, il a décidé il y a quelques mois d'assassiner le Haut Roi. Ça a attiré l'attention de l'Empire. Moi aussi. Si ces maudits Sombrages ont réussi à en trouver un ou à le réveiller, la guerre pourrait prendre une tournure dramatique. La première attaque de dragons depuis des siècles, et juste avant l'exécution d'Ulfric. J'ai du mal à croire que ce soit une coïncidence. Un coup magistral du général Tullius. Il n'est ici que depuis quelques mois, mais il a réussi à donner l'avantage à l'Empire. Nous pourchassions Ulfric depuis le début de la guerre, mais il arrivait toujours à nous échapper. Comme s'il savait à l'avance où nous allions frapper. Cette fois, le général a repris la main. Ulfric est tombé dans notre embuscade, accompagné seulement d'une poignée de gardes du corps. Et il s'est rendu bien gentiment. Voilà qui porte un coup à sa réputation de pugnacité. Je pensais que nous allions ramener Ulfric en Cyrodiil, mais il faut croire que le général a changé d'avis. Vous connaissez la suite. J'imagine que ça n'a pas fait grand bruit dans le reste de l'Empire, mais ici, ça a été la source d'un grand ressentiment. C'est un natif de cette région. Je dois admettre que ce n'était pas la plus glorieuse décision de l'Empire, mais après tout, l'Empereur n'avait pas vraiment le choix. S'il n'avait pas signé ce traité de paix avec les Talmor, ils auraient détruit l'Empire. Que serait-il alors advenu de bord de ciel ? C'est une partie de l'histoire que les partisans d'Ulfric se gardent bien de mentionner. Si l'Empire est divisé, les Talmor nous extermineront tous. Ne traînons pas.
J'ai l'impression que le dragon nous surveille d'en haut. Calme ici. Venez, mon oncle est là. Oncle Alvor, je vous salue. Personne ne me croit, mais je vous l'assure, j'ai vu un dragon. Chut, mon oncle, s'il vous plaît, parlez moins fort. Je vais bien, mais nous devrions rentrer pour discuter. Que se passe-t-il ? Qui est cette personne ? C'est un ami. C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivoire. Venez, je vous expliquerai tout une fois à l'intérieur. D'accord, d'accord. Entrez. Sigrid va vous préparer quelque chose à manger pendant que vous me racontez tout ça. Un dragon ! J'ai vu un dragon ! Quoi ? Qu'y a-t-il encore, mère ? Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire que la nuit. Il vient de survoler le terre. Grid, nous avons de la compagnie. Advar, on se faisait tant de soucis pour vous. Venez, vous devez être affamés tous les deux. Asseyez-vous, je vais vous apporter quelque chose à manger. Alors, mon garçon, c'est quoi ce mystère ? Qu'est-ce que vous faites là avec la tête de quelqu'un qui a perdu un combat contre un ours ? Je ne sais par où commencer. Vous savez que j'étais affecté à la garde du général Tullius. Nous avons été stoppés à Helgen, où nous avons été attaqués par un dragon. Un dragon ? Mais c'est ridicule ! Vous n'êtes pas sous, mon garçon, si ? Laissez-le raconter son histoire. Il n'y a rien à dire de plus. Le dragon est arrivé et a tout dévasté. C'était le chaos. J'ignore s'il y a d'autres survivants. Et sans son aide, je ne serais certainement plus de ce monde. Je dois rentrer à Solitude pour raconter ce qui s'est passé. Je pensais que vous pourriez nous aider. Nourriture, matériel, un toit. Bien sûr. Les amis d'Advar sont mes amis. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Comme je l'ai dit, je suis heureux d'aider du mieux possible. Mais j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois est sans défense. Nous devons demander au Jarl Balgruf de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. Si vous pouviez vous en charger, je vous en serais reconnaissant. Jarl Balgruf, il règne sur la châtellerie de Blancherive. Un homme de valeur, un peu trop méfiant peut-être, mais c'est l'époque qui veut ça. Il a réussi à ne pas prendre part à la guerre jusque-là. Mais j'ai peur que ça ne dure pas. Je ne crois pas qu'il apprécie beaucoup Ulfric ou Elisif. Il peut lui en vouloir. Mais je suis persuadé qu'il se montrera loyal envers l'Empire au bout du compte.
Ce n'est pas un traître. Bien entendu. Bordeciel a toujours fait partie de l'Empire. Je ne dis pas que je soutiens tout ce qu'a fait l'Empire ces derniers temps. Mais les Nordiques n'ont jamais été des amis très faciles. Oh, j'oublie que vous arrivez tout juste en bord de ciel. Je devrais plutôt dire le Jarl Elisif, bien que ce soit uniquement parce qu'elle était mariée au Jarl Torrig avant qu'il soit assassiné. Ulfric a tué Torrig, vous savez. Il a pénétré dans son palais à Solitude et l'a tué. Si on en croit les rumeurs, il lui a crié dessus jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce qui a déclenché la guerre. L'Empire ne pouvait pas fermer les yeux. Si les Jarls commençaient à s'entretuer, cela signerait le retour des temps obscurs. La famille de Gerdur est arrivée ici il y a plusieurs générations pour exploiter le bois. Odd et elles font tourner la scierie. Moi, je gagne ma vie honnêtement en aiguisant des haches et en entretenant les lames. C'est à cause de ce traité qui a mis fin à la Grande Guerre. Rappelez-vous, quand les Talmor ont forcé l'Empereur à bannir le culte de Talos. Quand j'étais petit, personne n'y faisait vraiment attention. Et tout le monde avait encore son petit hôtel dédié à Talos. Mais quand Ulfric et ses fils de bord de ciel ont commencé à se soulever, l'Empereur a été forcé d'agir. Venir enlever les gens en plein milieu de la nuit. C'est l'une des nombreuses causes de cette guerre, si vous voulez mon avis. Les gens sont furieux, et ils ont raison. Ces maudits Talmor ont le droit d'arrêter n'importe qui, sous le seul prétexte qu'ils vénèrent Talos. Mais est-ce que cela valait la peine de diviser bord de ciel et peut-être de détruire l'Empire? Non! Ulfric devra répondre de ses actes quand tout ça sera fini. Les Nordiques ont toujours soutenu l'Empire, et l'Empire a toujours été bon pour bord de ciel. Si vous savez vous en servir, je n'ai pas d'objection. La meule permet d'améliorer vos armes. Utilisez l'établi pour améliorer votre armure. Si vous avez les matières premières requises, vous pouvez utiliser la forge pour fabriquer un objet. Traversez la rivière et allez plein nord. Vous la verrez juste après les chutes. Une fois à Blancherive, continuez de monter. Arrivé au sommet de la colline, vous serez à Fort Dragon, le palais du Jarl. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureux d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin, mais restez raisonnable. Prenez ce que vous voulez, du moment que vous restez raisonnable. Oh. Advar, vous avez vraiment vu un dragon ? Bord de ciel. À quoi il ressemblait ? Je devrais plutôt dire le Jarl Elisif. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureux d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin, mais restez raisonnable. À la prochaine fois. Puis-je vous aider ? C'est un vrai plaisir de retrouver un endroit amical, hein. Écoutez, moi je vais rester ici un moment. Vous avez vraiment vu un dragon ? Sans moi. Je vous conseillerais d'aller à Blancherive. Il suffit de suivre la route en partant d'ici. Vous pourrez y prendre une calèche pour Solitude. Restez sur vos gardes.
J'espère que je vous verrai à Solitude. Bonne chance. Faites attention sur la route qui mène à Solitude. Ces maudits sombrages peuvent sortir de nulle part. Concentrez-vous. C'est ça. J'ai hâte de tuer un autre homme d'Ulfric. J'espère que je vous verrai à Solitude. Bonne chance. Les problèmes ne sont jamais loin. Restez sur vos gardes. Concentrez-vous. J'espère que je vous verrai à Solitude. Bonne chance. Maudit sombrage. J'ai hâte de tuer un autre homme d'Ulfric.